Chers amis internautes de BLTV, bonjour. Une semaine avec le Béninois Libéré, votre rendez-vous hebdomadaire. Nous y sommes. Les rubriques n'ont pas changé. La revue hebdomadaire du journal Le Béninois Libéré, instant causerie débat et une immersion dans la ville de Parakou, sans transition aucune. Suivez la revue hebdomadaire. Merci chers amis internautes de BLTV et bienvenue à cette revue hebdomadaire. On démarre par la une du lundi qui met en manchette JMP 2024 à Parakou. Échange avec les jeunes sur l'emploi et l'entrepreneuriat. Le ministre d'État Abdoulaye Bio Tchané expose les 7 principes de réussite en deuxième demi de votre journal. Session de formation des membres des sections de l'Union progressiste, le renouveau dans les 9e et 10e circonscriptions électorales, les emplois et l'engagement enseigné. En troisième demi de votre journal, affabulation des dirigeants de l'AES contre la République du Bénin. Où sont passées ces politiques qui animent si tant le Bénin, s'interroge le journal. Le journal ajoute que c'est Talon qui est au pouvoir. C'est donc à lui de se défendre, pense-t-il dans leur tête. Toujours s'interroge le journal. Toujours à la une de votre journal, arnaque sur la toile. Deux faux agents de la LNB créent des groupes sur les réseaux sociaux pour escroquer. En bas de page de votre journal, Journée mondiale de la population 2024, Bio Tchané invite les populations à se faire recenser. Dans les colonnes de votre journal, Bénin, la liste des PRMP des 51 communes à statut ordinaire. Direction générale des impôts, le DG Nicolas Yenoussi relance la tombola des factures normalisées. Dans l'oreille de votre journal, Parlement béninois, les députés allemands échangent avec le vice-président Barthélemy Kassai. Et c'est sur cette information que nous retrouvons la une du mardi qui met en manchette coup d'académie militaire de Robert Guignan à Traoré sur de supposées bases militaires françaises au Bénin. Le général retire ses galons au capitaine Traoré. Une base militaire n'est pas une aiguille dans un tas de fonds, dit le général. Il accroche au passage son collègue député Arossi à un géant. Piquet précise le journal. En deuxième de une supposée base militaire au Bénin, l'ambassadeur de France au Bénin répond à Ibrahim Traoré. En troisième de une de votre journal, choix du charge pour l'exportation de son pétrole pipeline, le Niger fut le moindre mal pour un bourbier. En bas de page de votre journal, projet sport et coopération décentralisée, Luc Atropo, le maire de la ville de Cotonou, remet des équipements aux bénéficiaires. Dans les colonnes de votre journal, faits divers, cybercriminalité, les TikTokers Florent Marion épinglé déposé en prison. Toujours à la une, Assemblée nationale, le cadre juridique du partenariat public-privé, révisé par les députés. Dans l'oreille de votre journal, dématérialisation de la demande de plaque d'immatriculation pour les motos. Le DG Dada expose des innovations dans les services de l'ANAT. On retrouve donc la une du mercredi qui met en manchette à l'origine des difficultés entre les acteurs de la filière Acajou et le gouvernement béninois. Fort Yassingbe encore dans une autre vengeance maladive contre le président de la République, Patrice Talon. Le journal précise, il prépare par la même occasion un mauvais coup contre les commerçants béninois. En deuxième demi de votre journal, présence de supposées bases militaires françaises au Bénin, l'ambassadeur du Burkina Faso convoqué. Toujours à la une de votre journal, décision DCC 24-140 du 16 juillet 2024, la Cour valide la nouvelle loi organique du CES. Le journal ajoute que Kitis donné à Patrice Talon pour sa promulgation. En bas de page de votre journal, pour avoir rendu le fonds disponible sous Google Translate, Yves Chabi Kouaro échange avec le concepteur de Yam Kloun. Dans l'oreille de votre journal, 64e fête de l'indépendance du Bénin, des innovations prévues pour le défilé. Toujours à la une de votre journal, égalité des genres et inclusion sociale, la NCB renforce les capacités des RSI des 77 communes. Jeudi, le journal met en manchette, en réplique à l'honorable Rachid Igbadamassi, les membres de l'opposition organisent une prière chez Yahi, le président des démocrates. Le journal précise que les démocrates ont déjà oublié leur reproche aux organisateurs de la prière de Parakou. En deuxième demi de votre journal, recensement des ménages des 13 arrondissements de Cotonou, la mairie lance un avis de recrutement de 146 agents. Toujours à la une de votre journal, Vision Bénin 2060, la formation des animateurs des focus group lancée. Toujours à la une de votre journal, Bénin, cette ville bénéficie du projet d'alimentation en eau potable. En bas de page de votre journal, pour le bonheur des populations, le resurfage de la route Bioguera Perere Até. Dans l'oreille de votre journal, présentation des lettres, le nouveau représentant résident du PNUD chez Olusegun Bakali. Les détails à la page 8 de votre journal. Conseil des ministres, le Bénin prend une nouvelle décision pour l'exploitation de son
Nord. Pour finir la une du vendredi en manchette, processus d'élaboration de la vision Bénin 2060, la collecte des aspirations des Béninois démarre le 22 juillet prochain. Procès contre le code électoral béninois au Parlement de la CEDEAO. Ces députés de la CEDEAO ont une confession à faire à Talon. Toujours à la une de votre journal, Assemblée nationale, bilan de la première session ordinaire de l'année 2024, des avancées significatives enregistrées en 3 mois. 17 dossiers ont été examinés et adoptés. Toujours à la une de votre journal, table ronde internationale sur le financement climat, les progrès significatifs du Bénin salués. Dans les colonnes de votre journal, pour le retrait urgent d'une pièce les concernant, l'invite de l'AJT à 54 personnes, diplomatie, 5 ambassadeurs béninois exerçant à l'étranger, bientôt remplacés. Dans l'oreille de cette une du vendredi, écho de la criette, le patron de Insbet au Bénin nie les accusations à son encontre. Chers amis internautes de BL TV, ainsi se referme cette revue hebdomadaire. Merci de votre fidélité. À la prochaine. Après cette revue hebdomadaire s'installe l'instant causerie débat, votre rubrique au cours de laquelle nous allons discuter de plusieurs sujets. Il s'agit de la séance de prière des imams chez Yahya Boni, le président du parti Les Démocrates, et le procès contre le code électoral au Parlement de la CEDEAO. Je reçois pour vous le directeur du journal Le Béninois Libéré, Akilou Yakubu. Akilou, bonjour. Justin, bonjour. Bonjour, chers amis internautes. Comment a été votre semaine? Oui, elle a été chargée. Bon, toujours, c'est du 5 sur 5. D'accord. Merci d'avoir honoré ce rendez-vous. C'est un plaisir. Certains imams ont organisé, je vais dire, une séance de prière chez l'ancien président Boni Yahya, une information que vous aviez traitée durant cette semaine. Et vous aviez titré jeudi, je vais citer, une réplique à l'honorable Rachidi Baramansi. Comment c'est une réplique, cette séance de prière? Oui, en fait, c'est une séance de prière qu'ils ont intitulée « Les imams de l'OME ». Or, en temps, si on remonte quelques semaines plus tôt, il y avait des imams du 71 qui avaient organisé une séance de prière et pour essayer de féliciter le chef de l'État ou de l'encourager par rapport à tout ce qu'il fait. Et ils ont aussi parlé du code électoral tout en invitant les religieux à rester dans leur couloir. Mais cela avait suscité beaucoup de débats et de critiques de la part de l'opposition. Et aujourd'hui, quand on parle de l'opposition au Bénin, on ne voit que le parti Les Démocrates. Qu'aujourd'hui, qu'eux-mêmes ils organisent une séance de prière au niveau de chez leur président du parti, l'ancien président Boni Yahya. Bon, cela ne peut que susciter débat aussi. Parce que quand vous critiquez quelque chose auprès de quelqu'un, il ne faudra pas que vous repreniez, si vous pensez que c'est une erreur, cette même erreur-là. Voilà. Donc c'est à cause de ça, vous avez dit que c'est une réplique à l'honorable Rachidi. Oui, c'est une réplique. Parce que quand vous répétez la même chose que vous avez eu à critiquer là-bas, vous vous dites que peut-être que ce qu'il a fait a porté. Et qu'il vous faut aussi reprendre ou bien faire la même chose pour pouvoir répondre à cette personne-là. Donc si aujourd'hui le Parti Les Démocrates organise une séance de prière chez l'ancien président Boni Yahya, ça veut dire que la séance de prière organisée par les imams du 71 a porté. Voilà. Oui, monsieur le directeur de publication, si je comprends bien, les imams du Septentrion, je vais dire, ont discuté, ont salué le chef d'État Patrice Talon pour ses œuvres, mais également ont parlé du code électoral. Mais ici, dans ce sens, ils n'ont pas parlé, les imams de l'OME, je vais dire, n'ont pas parlé du code électoral. Ils ont félicité le président du parti Les Démocrates parce qu'il a mené une démarche de paix dans leur médiation, je vais dire. Est-ce que c'est la même chose? En fait, quand vous abordez une question, vous prenez la partie qui vous arrange. Si au niveau des imams du Borgo, bien du Septentrion, ils ont parlé du code électoral, ce qu'il faut savoir, ils ont aussi encouragé. Et ici, dans la démarche des imams qui sont allés chez l'ancien président Boni Yahya, c'est qu'ils l'encouragent par rapport à ce qu'il fait. Et quand vous encouragez quelqu'un par rapport à ce qu'il fait, ça veut dire que vous adhérez dans une certaine mesure à sa politique. Ici, c'est vrai que c'est dans le cadre de la médiation qu'ils sont en train de mener, mais de l'autre côté, c'est par rapport à la gestion du pouvoir d'État que le président Patrice Talon est en train de laisser. Donc, c'est donnant-donnant. En organisant cette séance de prière, ils n'ont pas abordé le sujet concernant le code électoral, puisque ce sujet a suscité beaucoup d'intérêt, je vais dire. Comment vous avez trouvé ce comportement? Non, comme je l'ai dit précédemment, j'ai dit quand vous organisez une action, vous prenez celle qui vous arrange. Ici, ils sont allés dans une dynamique où c'est par rapport à la crise Bénin-Niger.
Et par rapport à cette crise-là, Yahya a voulu jouer avec l'ancien président, bon, son prédécesseur, Nicéphore Soglo, une médiation. Bon, pour le moment, les démarches ont été faites. On attend les résultats par rapport à ça. Maintenant, est-ce que ça va porter? On ne sait pas. Maintenant, l'imam qui représentait ces imams-là qui étaient venus, leur porte-parole disait que quand vous menez une démarche et que vous encouragez, c'est que ça pousse la personne à avancer. Donc, sont dans cette dynamique-là. Et ceux du Septentrion aussi sont dans cette dynamique-là. Parce que quoi qu'on dise, qu'on soit critique par rapport au président Tahan, il faut reconnaître dans certains domaines, il est impeccable. Il a eu à faire des actions qui matérialisent. Parce que quand vous, qui fascinent. Parce que quand vous prenez en matière de construction, bon, il y a ces constructions-là qu'on n'a jamais vues. Aujourd'hui, quand on prend les statues et autres, voilà, les statues redorent aujourd'hui le visage de nos villes. Bientôt, ce sera Tofa du côté de Porte-Nouveau et puis par la suite, Toussaint Louverture peut-être à Lada et autres. Et déjà, les gens réclament aussi à Goho par rapport à Beyoncé. Donc, les gens savent qu'il y a quelque chose de particulier qui se fait. Donc, eux aussi, ils sont dans cette dynamique-là pour dire, oui, nous voyons ce que vous faites, allez-y, avancez. Donc, ici, c'est la médiation. Peut-être que, bon, ça veut dire que tout le monde prie que ça porte. Ils sont dans cette dynamique-là pour que cela porte aussi, parce que quand les paraquois ou bien les imams du Septentrion étaient en train de faire leur séance de prière, ils demandaient que les religieux restent dans leur couloir. Mais qu'est-ce qui reste aux religieux? C'est les prières. Voilà, c'est ce qu'on attend des religieux et aux politiques, de gérer la cité, parce qu'ils sont là pour cette gestion de la cité là qui revient aux politiques. Merci, monsieur le directeur de publication. On nous signale que le directeur régional du groupe de presse, le Benoît Libéré, Anouk Moundi est en ligne pour nous livrer les sujets phares du Septentrion. Anouk Moundi, bonjour. Quelles sont les actualités de la ville du Septentrion? Bonjour, Justin. Bonjour, Akelo. Bonjour, chers amis téléspectateurs de BLTV. Heureux de nous retrouver, j'allais dire, sur notre émission hebdomadaire. Alors, aujourd'hui, je m'en vais évoquer une situation qui, je dirais, impacte un peu les peuples de la sous-région. Il est clair que beaucoup le constatent. Cette situation tendue de la sous-région entre nos différents dirigeants et selon la conception de chaque pays, je ne sais pas si nos dirigeants se rendent compte, mais cela n'arrange pas du tout la situation des peuples. Cela a un impact négatif sur les peuples. Et ça n'arrange pas les choses. Le Niger accuse le Bénin, le Burkina accuse le Bénin se défend, on accuse tel, telle est la base arrière de ceci est la base arrière de l'autre, et ainsi de suite. Et tout ça donne le champ libre à l'ennemi pour agir comme il le veut. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous allez constater que on n'arrive jamais à bout de ce titre-là qu'est le terrorisme. Parce qu'il profite de la mésentente de nos chefs d'État, de nos pays, pour agir. Parce qu'ils savent que le jour où les pays de la sous-région vont s'entendre, parler d'une seule voix, ils ne pourront pas s'en sortir. Et c'est dommage que nos dirigeants, que nos pays, que les responsables à divers niveaux ne comprennent pas cette situation-là. Qu'est-ce qui nous empêche de mettre la balle à terre, d'organiser une rencontre où chacun dit ce qu'il a à dire et on trouve une solution? Voilà la CEDEAO qui était l'organe où on pouvait discuter de tout ça. La CEDEAO est aujourd'hui au bord de l'implosion. D'autres pays sont sortis. Au sein de cette même CEDEAO, certains pays la critiquent et finalement, on l'accuse d'être à la solde de l'Europe. On l'accuse de ci et de ça, à tort ou à raison. Et c'est, je dirais, à raison. Parce qu'on regarde la situation, que cette institution communautaire qui a le privilège, qui a le droit, qui a le devoir de réunir les peuples, ces chefs d'État qui représentent leur pays, qui doivent prendre les décisions, n'arrivent pas à s'entendre. Et laissent le libre cours, laissent le champ libre à ces atrocités qui déciment les peuples, qui déciment les citoyens. C'est dommage. Mais ce que nous oublions, c'est que ces peuples-là, il n'y a pas de frontières aujourd'hui. Le Béninois, c'est un Nigérien.
Le Nigérien, c'est un Burkinabé. Le Burkinabé, c'est un Béninois. Regardez la frontière, regardez les peuples. Pourquoi nos dirigeants ne peuvent pas s'entendre et se rencontrer quelque part, mettre là-bas la tête et discuter véritablement? Regardez aujourd'hui l'Union européenne. L'Union européenne a été construite, c'était difficile, mais ils y sont arrivés. Et quelle situation? Ils discutent et ils trouvent la solution. Depuis que l'Union européenne est arrivée, est-ce que vous avez jamais vu qu'il y a eu guerre dans ces pays-là? Même qu'il y a des dissensions, qu'il y a des prises de bête, ils s'entendent pour pouvoir s'en sortir. Pourquoi on ne peut pas le faire chez nous ici? On est arrivé avec la CEDEAO à créer cette intégration-là où on pouvait. Le processus était en cours pour la monnaie. Et puis encore, avec le passeport CEDEAO qui permettra à la sous-région de voyager, d'être interconnectée. Cette grande route, je dirais cette autoroute qui allait être construite depuis Abidjan, Lagos, pour que les peuples, pour qu'il n'y ait plus de frontières, comme dans l'Union européenne, le Schengen, où quand vous êtes en France, vous pouvez aller en Belgique, vous pouvez aller en Allemagne, facilement, sans difficulté. Pourquoi on ne peut pas le faire chez nous? Et c'est toujours en Afrique qu'on doit avoir cette situation-là. Ce n'est pas normal. Il va falloir qu'un jour nos dirigeants se réveillent et qu'ils essayent de comprendre que ce qu'ils font n'arrange pas le continent. Qu'est-ce que le Bénin a à voir de positif en attaquant le Niger? Pendant qu'une partie de son peuple est au Niger. Qu'est-ce que le Niger a à voir à attaquer le Bénin pendant qu'une partie de son peuple est au Bénin? Qu'est-ce que le Burkina a à voir à attaquer le Bénin pendant qu'une partie de son peuple est au Bénin? Je ne vois pas. Je ne vois pas. Pareil pour le Burkina et la Côte d'Ivoire. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, mais il y a beaucoup de Monsi, il y a beaucoup de Burkinabés qui sont là-bas. Et qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a tenté de positif en déstabilisant le Burkina? Le terrorisme est là, décime les populations. On n'arrive même pas à mettre en place une force commune des pays pour lutter contre cette situation-là. Ce n'est pas possible. Cette tension qui est dans la sous-région n'arrangera personne. N'arrangera personne, qu'il soit président ou pas. Donc j'appelle nos présidents, nos autorités à véritablement prendre les taureaux par les cornes. Parce que là où nous allons, ça ne nous conduira pas à bon port. Merci à nos Koumoudji. Nous sommes de retour sur ce plateau. Nous parlons maintenant du code électoral béninois au Parlement de la CEDEAO. Monsieur le directeur de publication, vous aviez titré le vendredi « Procès contre le code électoral béninois au Parlement de la CEDEAO ». Ces députés de la CEDEAO ont eu une confession à faire à Talon. Pourquoi vous aviez titré? Ah oui, en fait, quand vous êtes représentant d'un peuple, voilà, on dit représentant du peuple, c'est ça, c'est le nom qu'on donne aussi, aux députés. Oui, par amour aux députés, ça veut dire qu'ils sont là pour défendre. Maintenant, quand vous provenez d'un parti, c'est que vous défendez les idéaux. Et quand ce parti encore appartient à un groupe, je veux dire la mouvance ou bien l'opposition, c'est que vous défendez les aspirations ou bien les idées de ce groupe auquel vous appartenez. Donc ici, il est question des députés de la mouvance qui étaient au Parlement de la CEDEAO. Et par rapport au code électoral béninois, les gens ont eu à opiner. De toute façon, c'est du côté de l'opposition. Ça, ils ont toujours tiré à boulet rouge. Et c'est ce à quoi on a eu à assister au niveau de ce Parlement-là la dernière fois. Or, il s'est fait qu'il y avait 4 députés de la mouvance. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils n'ont pas pu piper mot. Ils se sont tués, ça veut dire que bon, ils ont acquiescé. Justement, comment vous avez trouvé le comportement de ces députés? Je pense que cela s'analyse naturellement. Donc quand vous avez au moins 4 représentants qui sont là pour défendre vos idées et que ces personnes-là n'arrivent pas à piper mot, ça veut dire qu'ils ne sont pas de véritables défenseurs. Donc ça veut dire que vous devez déjà commencer par vous poser des questions. Donc normalement, ils devaient quand même défendre ou bien opiner, prendre la parole parce qu'ils avaient quand même la latitude de prendre la parole, mais ils se sont laissés. Le Sénégalais est venu, il a dit ce qu'il peut dire par rapport à ce qu'il connaît du code électoral. Le député LD Wassangari a opiné dessus, donc, mais eux, 4, ils n'ont pas pu opiner. Donc il y avait Issa Salifou qui a quand même de l'expérience par rapport à ce Parlement-là et par rapport au Parlement ici aussi, parce que c'est de plusieurs législatures qu'il est ici. Comment vous avez trouvé ce comportement? Est-ce que ça mérite, je vais dire, une punition? Non, bon, en fait, au niveau, quand vous appartenez à un groupe, il y a quand même la discipline de groupe qui est là. Il y a des règles de discipline qui s'imposent au niveau d'un groupe, sinon le groupe ne pourra pas fonctionner normalement.
Au sein des partis, je pense que dans les statuts, il y a toujours parti sanction. Et est-ce que leur comportement répond à des sanctions? C'est au parti d'analyser. Parce que si on laisse des attitudes comme ça, des comportements comme ça, ça veut dire que cela va se sédimenter. C'est ce que l'auteur de l'article écrit. Et comme aujourd'hui, je réserve une surprise, les gens ont toujours posé cette question-là. Pourquoi je défends parfois ce qui s'écrit au niveau du Bénin Libéré? Je suis le directeur de publication, mais je suis obligé d'opiner par rapport à ces questions-là parce que cela doit passer sous ma griffe. Ça veut dire que quelle est votre surprise aujourd'hui? Ça veut dire que j'autorise que ces papiers-là apparaissent. Aujourd'hui, c'est que je me suis dit, il faudra aujourd'hui que l'auteur de l'article aussi puisse venir donner son avis par rapport à ce sujet, par rapport à ses écrits, par rapport à l'article qui a sorti. Donc, il viendra et il va dire voilà ce qu'il a amené à dire une confession à faire à Patrice Talon, pourquoi il faut les sanctionner ou pas. Chers amis internautes de BL TV, avant de le recevoir, marquons une pause pour qu'il puisse s'installer. Salut, salut, je reprends au nom de Adandeja Clémence. Je suis en formation en cadrage, montage et graphisme au Béninois Libéré. Je réponds au nom de Georgia Dossou. Je suis en formation en cadrage et montage au Béninois Libéré Télévision. Je réponds au nom de Love Adropou. Je suis en stage académique en post-production au Béninois Libéré. Je réponds au nom de Marc Tadivouné. Je suis en stage académique en cadrage et montage au Béninois Libéré. Je m'appelle Chikoto Merveille, passionné de cinéma. Je suis actuellement en stage à Béninois Libéré dans le domaine du cadrage et du montage vidéo. Je suis en train de faire BL TV et je suis en train de faire la prison pour nous faire de BL TV. Je suis Cyril Rouga, je suis réalisateur cadre-monteur à Béninois Libéré. Je m'appelle Kwakano Hamza, je suis technicien audiovisuel au sein du groupe de presse de Béninois Libéré. Je suis vidéaste, formateur en cadrage et montage au Béninois Libéré. Et je réponds au nom de Gérard Sélion Tchao. Au Béninois Libéré, nous formons en cadrage, en montage, en réalisation, en infographie et en graphisme. Vous avez besoin de tout service ayant rapport à l'audiovisuel, spot publicitaire, des reportages, des documentaires, des tournages de films, des conceptions graphiques, de l'infographie, contactez-nous seulement, nous allons vous satisfaire. Avec le Béninois Libéré, nous avons une très grande capacité à comprendre et à traduire les idées des clients en une image captivante. Le Béninois Libéré est situé à Agla, et précisément en face du carrefour Nangon. N'hésitez pas à vous abonner à nos différents canaux TikTok, Facebook, YouTube. Le Béninois Libéré, informez à nos parents. Chers amis internautes de BL TV, comme le DP l'annonçait, je suis avec l'auteur de l'article, monsieur le journaliste. Bonjour. Bonjour, cher confrère. Pourquoi cet article et pourquoi ils doivent faire des confessions? Bon, comme vous l'avez compris, ces quatre députés étaient présents au siège du Parlement de la CEDEAO quand leur collègue sénégalais a violemment critiqué le code électoral que nous avons adopté ici au Parlement béninois, code électoral qui a subi quand même l'examen de la Cour constitutionnelle, code électoral qui a été validé par cette institution et qui a été promulgué par le chef d'État béninois et qui est en vigueur aujourd'hui au Bénin. Donc il n'y avait pas meilleure opportunité pour les députés béninois qui étaient présents à cette instance quand le député sénégalais a critiqué notre code. Malheureusement, ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit, ils ont presque béni l'intervention de leurs collègues. Et je me suis dit, bon, s'ils ont adopté cette posture, et avec ce que nous avons appris en coulisses, ils paraîtraient. Et ça, je n'ai pas pu avoir boucler ces vérifications. Il paraît même que cette députée voudrait même faire du chantage au président Talon, c'est-à-dire activer le député de l'étranger, qu'il critique le code, afin qu'il touche le président Talon, lui demande peut-être les moyens de répliquer à la prochaine fois ou de répliquer ici sur le terrain pour défendre ce code. Je dis, ce n'était pas opportun, ce n'était pas patriote et ce n'était pas quand même sincère parce qu'un code que vous avez aidé à peaufiner, aidé à voter, un code que vous avez soutenu de la tête aux pieds, ce n'est pas bien que vous laissiez ce code souffrir
des récriminations de nos députés, d'un collègue à vous, est revenu au pays pour dire quoi? Il n'y a rien à dire. Donc, je pense qu'il devrait quand même pouvoir se défendre devant le président Talon, si encore défense c'était possible de le faire devant le président. Et moi, c'était ma manière quand même de rappeler au président Talon qui a matière aujourd'hui à récriminer ses députés, à leur dire la vérité pour que demain, il n'y ait plus ce laxisme. Quand ce qui nous est cher au Bénin ici, même si au niveau national, on peut accepter quand même que des députés de l'opposition récriminent ce qui est voté au sein de notre Parlement, mais qu'il y ait au moins une réplique subséquente au niveau de nos parlementaires quand un autre s'attaque à ce qui nous est cher, s'attaque à ce qui est commun à nous, pour que cela n'arrive plus jamais. C'est ce que je voulais de la part du président béninois, de la part de leurs collègues et de la part surtout du président Diogbenou, de la part du président Abété. S'il ne le faut pas, alors demain, lorsque un autre parlementaire s'attaquera à ce qui est cher à nous, à ce que nous avons ensemble décidé, il ne faut plus qu'il y ait ce silence-là, parce qu'on dit du Bénin que nous sommes le quartier latin de l'Afrique. Et toutes les fois, c'est nous qui innovons ici au Bénin, dans notre pays. Et nous sommes une référence en matière de démocratie. Nous sommes toujours, quoi qu'on dise, quoi qu'en sera notre position ici entre nous, nous restons toujours une référence, que ce soit en matière d'intelligence, en matière d'observance de certaines règles. Nous sommes une référence. Et il faut que nous restions ainsi devant les étrangers. Cette tortue, elle est à regretter, elle est à corriger, et cela relèvera de la position du chef de l'État, de la position des différents présidents des partis politiques, qu'ils soient de la mouvance et pourquoi pas de l'opposition. Merci, monsieur le journaliste. Sanction ou non, que recommandez-vous aux partis politiques? Aux partis politiques, on va se baser sur les partis politiques de la mouvance, à savoir le BR du président Blébio Tchané, le PR du président Diogbenou. Moi, je souhaite, si je pouvais leur montrer la voie à suivre, qu'il y ait une bonne sanction contre les honorables Issa Salifou et Aoumenou de l'UPR et Abdomanou et aussi du côté du BR, Arifari Bako, que la sanction, les sanctions soient fortes pour qu'on ne dise plus jamais ça. Il ne faut plus qu'ils aient nous renie. Et quelle qu'en soit leur position plus ou moins ambiguë par rapport à leur dirigeant, par rapport à leur leader suprême charismatique, à savoir le président Talon, quelle qu'en soit leur position, qu'ils n'adoptent plus ces gens de poursuivre pour humilier le Bénin, que les sanctions soient fortes. C'est mon souhait. Peut-être que les leaders ne vont pas me suivre. Merci, monsieur le journaliste. Chers amateurs de Biel TV, journaliste a été, on ne peut plus clair sur son sujet. Il a expliqué de long en large les motivations de ces sujets. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. À la prochaine.